Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonne journée, nous sommes ensemble pendant une heure. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale, Territoire d'info. C'est une heure de direct, vous le savez. On retrouvera notre invité politique à 8h. Aujourd'hui, c'est Juliette Méadel, l'ancienne secrétaire d'État aux victimes, qui sera débriefée par nos éditorialistes. Dans un instant, le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis vous retrouverez le Zappélisé, le premier zapping politique de la journée. Mais tout de suite, c'est le journal télévisé des territoires dans un instant. À J-2 du premier tour des élections législatives, nos équipes continuent de sillonner les territoires, direction Marseille. Nos journalistes se sont rendus dans la troisième circonscription des Bouches-du-Rhône, où le sénateur-maire frontiste Stéphane Ravier fait figure de favori face à la candidate de la France insoumise, la championne de kickboxing Sarah Swahili. Mais la candidate de LREM espère bien jouer les troubles faits. C'est Sandra Cerquera et Quentin Calmet qui les ont suivis à Marseille. On regarde ensemble. Messieurs, dames, le document que le monde entier nous envie. En campagne sur le marché du Merlan à Marseille, Stéphane Ravier se veut confiant. Cette fois, il en est sûr, la voie vers la victoire est libre. En 2012, il avait perdu de peu face à Sylvie Andrieux. La députée socialiste, condamnée pour détournement de fonds publics, ne se représente pas. Donc je me dis que je suis, c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais le mieux placé pour mettre un point final à ce système et qu'enfin les électeurs, les habitants de cette circonscription puissent tourner la page et que l'on agisse dans leur intérêt. Sénateur maire des 13 et 14 arrondissements de Marseille depuis 3 ans, il fait figure de favori dans la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône. Pour Stéphane Ravier, son atout, c'est son expérience locale. L'image qui était donnée de nous et de moi par nos adversaires aujourd'hui, elle est supplantée par notre action que nous menons au quotidien dans l'intérêt général. En cas de triangulaire au second tour, les candidats PS et LR l'ont déjà annoncé, ils se désisteront pour faire barrage au FN. C'est ce que je veux faire, vraiment être la porte-parole de ces quartiers. Celle qui veut défier le FN sur ses terres, c'est elle, Sarah Swahili, candidate de la France insoumise. Tous ses coups, elle les réserve à Stéphane Ravier, son principal adversaire. Dans les quartiers nord, le FN est arrivé en tête à la présidentielle et l'abstention a battu des records. Et c'est quelqu'un d'autre qui va vous représenter si vous ne votez pas. Sarah Swahili compte profiter de la dynamique Mélenchon ici à Marseille. Cette championne de boxe de 24 ans, jamais élue, est bien décidée à se faire une place en politique. Contrairement à mes concurrents, je pense vraiment être première, alors que mes concurrents ne font plus campagne pour être premier, mais surtout pour être second. C'est pour ça que toutes les attaques sont concentrées sur ma personne, parce que psychologiquement, ils ont déjà abandonné le fait d'être premier, alors que ce n'est pas du tout ma psychologie. Là, il faut qu'on ait une majorité à l'Assemblée nationale pour mettre en œuvre ce projet-là. Se faire connaître dans ce quartier populaire, c'est tout l'enjeu pour Alexandra Louis, candidate La République En Marche, avec un leitmotiv. Nous, ce n'est pas notre métier la politique. Nous, on a tous un métier. On vient justement parce qu'on a envie de changer les choses avec vous. Et les gens, finalement, sont assez à l'écoute et sont assez envie, ont cette envie de renouveau, de voir des nouveaux visages. Vous mettez les sous dans les poches et vous asseyez sur les fauteuils. Moi, madame, je n'ai jamais été élue. Hein. Moi, je travaille comme tout le monde. Et pourquoi? Tous, vous vous ressemblez. Mais non. Avocate, elle n'a aucune expérience en politique et veut en faire un atout. Les politiques qui avaient de l'expérience, finalement, ça n'a rien donné ces dernières années. Donc aujourd'hui, aller faire campagne, c'est un plaisir parce que justement, on va retrouver les gens et on est sur un pied d'égalité avec eux. Parce que, comme je leur dis, aujourd'hui, c'est moi qui suis candidate. Peut-être que ça sera vous demain. En tout, 16 candidats convoitent la 3e circonscription dans le nord-est de Marseille, où le taux de chômage atteint le double de la moyenne nationale. Et pour compléter ce dossier élections législatives, un petit peu de pédagogie maintenant avec ce reportage qui vous explique tout simplement les particularités, le fonctionnement et la finalité du scrutin législatif. Leïla Kessi pour Télé Lyon Métropole.
Retour à la case, bureau de vote pour les électeurs 5 semaines après les présidentielles. Place donc aux législatives, une élection qui permet de désigner les députés siégeant à l'Assemblée nationale. Un scrutin un peu particulier puisqu'il est dit majoritaire uninominal à 2 tours. En clair, si un candidat obtient plus de 50% des voix au premier tour, il est élu. Sinon, pour espérer se qualifier au second tour, il faut obtenir 12,5% des voix des inscrits. On peut ainsi avoir 2, 3, voire 4 candidats qualifiés. On parlera ainsi de triangulaire ou de quadrangulaire. Notez que cette élection s'annonce d'ores et déjà historique en raison des forts bouleversements des forces politiques observés ces derniers mois. Oubliez donc les traditionnels blocs droite-gauche, mais aussi en raison de la loi sur le non-cumul des mandats qui a poussé un certain nombre de députés sortants à ne pas se représenter. Dans le Rhône, cela concerne 6 députés sur 14. Une chose en revanche ne change pas cette année, c'est le nombre de députés élus. Ils seront toujours 577 assiégés au Palais Bourbon à l'issue du second tour prévu le 18 juin prochain. Retour à Bordeaux. Hier, on vous a présenté le premier trajet de la LGV Inouï qui relie en un temps record de 2 heures Paris à Bordeaux. Aujourd'hui, on parle déjà d'une possible menace sur la future LGV au sud de Bordeaux. La déclaration d'utilité publique signée en 2015 par le préfet de la Gironde concernant ce projet pourrait être annulée par le tribunal administratif. C'est un recours déposé par plusieurs associations qui pourraient avoir raison de ce projet. Les détails avec Christophe Chavanneau pour TV7 en Gironde. Si la LGV entre Paris et Bordeaux est achevée, en revanche, ses ramifications vers l'Espagne et Toulouse sont toujours suspendues aux actions menées par les associations girondines et lot-et-garonnaises notamment, qui ont lancé des recours devant le tribunal administratif pour faire annuler les déclarations d'utilité publique concernant, dans un premier temps, un segment au sud de Bordeaux, une épine dans le pied du grand projet du Sud-Ouest. Nous avons aussi l'aménagement du nord de Toulouse et bien sûr la création de la ligne nouvelle entre Bordeaux et Toulouse. C'est une étape importante, elle nous est plutôt favorable. Nous attendons bien sûr le délibéré qui doit se tenir d'ici 15 jours, 3 semaines, et nous sommes plutôt confiants. Depuis toujours, les associations dénoncent les coûts phénoménaux engendrés par ces nouvelles lignes, soit un peu plus de 9,5 milliards d'euros, alors qu'elles privilégient l'amélioration des voies existantes. Aujourd'hui, le constat est là. L'argent n'existe pas, ni à l'État, ni à la SNCF, ni aux collectivités territoriales, pour investir 10 milliards et plus d'euros dans un projet qui nous semble un grand projet inutile et imposé. On fait beaucoup de cas aujourd'hui sur Notre-Dame-des-Landes, mais on peut parler aussi de la LGV Lyon-Turin, on peut parler de la LGV Poitiers-Limoges qui a été annulée, la DUP a été annulée par le Conseil d'État. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a un consensus de plus en plus fort pour dire que ces grands projets de LGV-TGV n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Toujours est-il que la décision du tribunal administratif de Bordeaux sera scrutée de près par les juridictions de Toulouse et le Conseil d'État. Si elle suit les recommandations du rapporteur public, le GPSO prendrait ainsi un sacré coup dans l'aile. Et on reste à Bordeaux pour suivre à moins d'une semaine maintenant du coup d'envoi du baccalauréat avec les traditionnelles épreuves de philosophie des candidats pendant leur dernière révision. Beaucoup de travail, mais vous allez le voir, pour certains, le stress n'est pas du tout au rendez-vous. Un reportage d'Étienne Merle et de Julie Dos Santos pour TV7 en Gironde. Aujourd'hui, pour Alexis, c'est opération révision à la bibliothèque. À 7 jours du lancement du baccalauréat, il faut redoubler d'efforts. Pour cet élève en sciences de l'économie, à l'approche des examens, la pression commence doucement à monter. Un petit peu, ouais, c'est le bac, c'est important, c'est notre premier diplôme qui va nous permettre de rentrer dans la vie active, donc ouais, c'est important de l'avoir. Ouais. Est-ce que tu travailles beaucoup ? On va dire que depuis une semaine, on s'y est vraiment mis. Après, on ne va plus vraiment en cours et on va à la bibliothèque, on reste ça pour travailler. D'autres sont plus sereins à une semaine du grand test. Une question de travail et de régularité, paraît-il. Je suis préparée depuis quelques semaines maintenant, donc un peu stressée, mais ça va. Tu travailles combien de temps par jour, combien d'heures à peu près ? Là, en ce moment, 9h en ce moment. Ah, ça va, on est plutôt bien préparé dans mon lycée. Donc, bon, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes, pas trop de soucis à avoir.
Pour beaucoup, la bibliothèque est un moyen pour éviter de se dissiper et rester le plus concentré possible. Chez moi, j'ai vraiment du mal à taffer. Alors qu'ici, quand je viens, je sais que je viens pour travailler. Du coup, je travaille pendant tout le temps où je suis là. J'ai pas vraiment de distraction. Comme tout mon travail, du coup, ça me pousse à travailler. L'an passé, 80,2% des bacheliers avaient obtenu leur diplôme à l'Académie de Bordeaux, soit 2 points de plus que la moyenne nationale. Et une bonne nouvelle pour les jeunes de la région voisine, l'Occitanie. 260 000 d'entre eux vont bénéficier d'une carte jeune à la rentrée 2017. Elle accompagnera bientôt tous les lycéens de la région. Avec elle, ils pourront bénéficier de manuels scolaires gratuits, d'ordinateurs ou encore d'aide à l'achat de livres. Cette carte regroupe toutes les aides offertes par la région et l'Occitanie souhaite uniformiser ses prestations sur tout le territoire. Marie-Laure Lejeune pour TV Sud. Elle sera bientôt dans le portefeuille de tous les lycéens de la région Occitanie à la rentrée 2017. La carte jeune va permettre de payer la cantine, l'équipement professionnel pour les apprentis ou encore de bénéficier de manuels scolaires gratuitement. Si certaines de ces aides sont déjà effectives à Toulouse ou dans des établissements éroltés, la région a souhaité tout uniformiser. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de distinction en fonction des revenus parce qu'il y a aussi une question d'égalité. Les manuels scolaires, c'est gratuit pour tous. Donc oui, c'est important. Je crois que la jeunesse, vous savez, il faut rappeler une chose. Sur 5 600 000 habitants, 1 700 000 habitants ont moins de 25 ans. On accueille plus de 4 000 jeunes lycéens chaque année. Donc vous imaginez que si on n'a pas une ambition pour les jeunes, avec cette démographie notamment importante de jeunesse, on va louper quelque chose. En tout cas, c'est la volonté de la présidente de cette majorité d'être vraiment attentif. Avec cette sorte de carte bancaire, le lycéen va pouvoir bénéficier de 20 euros pour l'achat de livres, 15 pour la pratique du sport, et il pourra aussi acquérir un ordinateur gratuitement. Ou presque, en fonction du revenu de ses parents. Pour déborder un petit peu sur la question, je ne suis pas vraiment pour la gratuité. Voilà, donc je pense que tout le monde doit faire un minimum d'efforts pour savoir combien ça coûte, un ordinateur ou autre. Donc oui, c'est très bien. Moi, je suis content de payer et je suis content de payer pour ceux qui ne peuvent pas aussi. Des lycéens plutôt satisfaits que ces services soient concentrés. On a une carte pour le lycée, on a une carte pour les cantines, pour les cafettes, on a des cartes jeunes pour les réductions. Tout ramener en une carte, c'est vrai que c'est une bonne idée. Les lycéens ont jusqu'au 13 juillet pour s'inscrire sur le site www.cartejeune.larégion.fr. Plus de 260 000 jeunes sont concernés. À Vonon, dans l'Aube, c'est une curiosité qui a plus d'un siècle. Une source souterraine à laquelle on accède par un tunnel de 300 mètres de long qui a été percé dans la colline. Ces travaux avaient permis à la commune de figurer parmi les premières à bénéficier de l'eau courante. Aujourd'hui, cette eau de source sert de réserve incendie et le maire de la commune, au risque et péril des visiteurs, organise des visites, une à deux fois par an, des visites exclusives de ce lieu insolite. Fabien Léger pour Canal 32. Dès 2014, Denis est devenu maire de Vonon. Depuis, il remet en valeur un patrimoine singulier, ici, sous cette colline. Alors, donc, on arrive à l'entrée de l'ancien réservoir qui a alimenté le village pendant quasiment 75 ans. Cette porte est le seul accès à un réservoir d'eau de source. Derrière, un tunnel a été creusé il y a plus d'un siècle. Là, on est sous la colline et on avance jusqu'à... Pendant les 315 mètres, et au point final, on va être 60 mètres sous la forêt. Et là, donc, on est rentré dans la zone, dans la craie pure. On peut voir tous les coups de pioche qui ont été donnés. Les recherches et les travaux, ça a duré 20 ans, à peu près. Ça a commencé vers 1880 et ça a été inauguré en 1903. Les travaux du réservoir, plus l'alimentation dans le village. Hein. Et là, vous voyez, on marche sur la conduite, là. La goutte d'eau qui tombe... Dans la forêt au-dessus, elle met 2 mois avant de venir dans le réservoir. Denis réalise des visites occasionnelles, en petit groupe, à ses risques et périls. Entre les couches de craie, il y a de l'argile. Et c'est ça qui fait glisser. Au bout du tunnel, Denis arrive à la poche d'eau naturelle. On ne se rend pas vraiment compte de la profondeur. C'est estimé entre 1500 et 1700 mètres cubes de réserve. Vous avez des galeries qui partent en Y. Et qui vont capter l'eau encore 500-600 mètres plus loin. Le but, c'était d'alimenter le village en eau potable. On est un des premiers villages de l'Aube à avoir l'eau courante
à cette époque. Hein. Il y a certains villages qui ont le courant qu'en 1950-60. Hein. Albert Rousseau, Albert, 1900, je pense que c'est devait être un truc, 25 janvier. Donc ils ont dû arriver là, à cette date-là, à mon avis. Depuis 1976, cette eau est uniquement utilisée en réserve incendie, et ce, malgré ses qualités. Écoutez, déjà, cette eau, elle est très pure, elle est non chlorée. Aujourd'hui, elle est non chlorée, donc elle est vraiment d'un goût à la fois de boue, quoi. Elle est vraiment... Non, mais déjà, en température, elle est à 12 degrés. Et elle a été analysée assez récemment, donc elle est en qualité haute source. Il manque que le pastis. Vous n'êtes pas d'accord? Première idée avec le conseil départemental, de faire une usine centrale et faire une eau du Pays d'Hôte, quoi. Justement, dans les années 76, la société Perrier s'était intéressée à cette eau-là, mais ils voulaient nous la prendre gratuitement, quoi. Nous, c'est un trésor, quoi. Il faut qu'on le maintienne en l'état et qu'on l'entretienne durablement. L'entretien, Denis y veille personnellement. Quant aux visites, la prochaine ouverture exceptionnelle est prévue lors des journées du patrimoine. Voilà, fin de ce JT des territoires préparé par Soumaïa Benaïssa. Dans un instant, le club des éditorialistes. Mais tout de suite, la une de vos journaux en région aujourd'hui. À tout de suite. Et une de la presse quotidienne régionale sur ce qui se passe aux États-Unis, vous le savez, hier, avec l'audition par le Sénat américain de Comey, le directeur du FBI, qui charge Trump pour Libération Champagne pour Ouest France. C'est l'homme qui fait trembler Trump. Vous savez que James Comey, donc cet ancien directeur du FBI, estime que Donald Trump l'a limogé à cause de l'enquête menée sur l'ingérence russe dans la présidentielle. Il l'a redit hier devant une commission spéciale. Cette affaire pourrait conduire à la destitution du président américain. Deuxième thème dans l'actualité, le débat des éditorialistes dans un instant va s'y pencher, c'est l'éducation. Pour le Télégramme, c'est ce qui va changer. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, entend lutter contre l'échec scolaire en facilitant le recours au redoublement et en instaurant des stages gratuits de soutien avant l'entrée en classe de 6e ou encore en assouplissant les rythmes scolaires et la réforme du collège. Pour Sud-Ouest, c'est à l'école, ça va encore changer. Et puis pour la Voix du Nord, c'est les communes consultent déjà en vue de la rentrée. C'est le retour de la semaine de 4 jours, un point d'interrogation dans la Voix du Nord. C'est les législatives évidemment à la une de la presse quotidienne régionale avec le courrier Picard, législative LR, la stratégie maladroite. Voilà, est-ce que cette stratégie est en phase avec l'électorat de droite? Eh bien, selon le courrier Picard, on a le droit de trembler dans la région. C'est en page 2 et 3 du courrier Picard aujourd'hui. Pour le Progrès de Lyon, c'est dans le Rhône les points chauds des législatives. Et puis, pas de remède miracle pour la Charente libre. Médecin, les mauvais chiffres de la Charente, généraliste, spécialiste, profession paramédicale. Partout, le département est sous-doté par rapport à la région. Et il n'y a pas de remède miracle, donc je le disais, pour la Charente libre. Pour le Parisien, ces deux adolescents morts de surdose, alerte à la codéine. Le phénomène prend de l'ampleur. De plus en plus de mineurs utilisent des médicaments délivrés sans ordonnance pour en faire des cocktails aux effets dévastateurs et parfois mortel. Il faut lire le Parisien aujourd'hui, alerte à la codéine. Pour la presse de la Manche, c'est des drones au service des agriculteurs. C'est l'agriculture connectée que traite la presse de la Manche ce matin. Pour l'Union, c'est le TGV Est, 10 ans à 320 km/h. Il y a 10 ans, la ligne TGV Est entrait en service et c'est le retour sur une histoire pleine de rebondissements que nous propose l'Union de Reims aujourd'hui. Enfin, le coût des transferts sportifs pour la Provence, c'est normal. On est le week-end. L'OM passe déjà à l'offensive et vous avez minute par minute un suivi de la Provence sur ce coût des transferts. Voilà, on démarre ce club des éditorialistes, je le disais il y a un instant, par le calendrier du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, avant de s'intéresser tout à l'heure après aux législatives, à la fois de l'autre côté de la Manche et ici. Jean-Michel Blanquer défend son calendrier de réformes visiblement très chargé pour la rentrée prochaine de septembre. Redoublement, place plus importante pour la musique, les stages, le dédoublement des classes de CP en zone d'éducation prioritaire. Décidément, Zoé Cadio, le ministre de l'Éducation nationale, multiplie les annonces depuis son arrivée rue de Grenelle. Alors effectivement, ça fait un peu plus de 3 semaines maintenant qu'il est rue de Grenelle. Quand il est arrivé, il se défendait d'avoir une volonté réformatrice. D'ailleurs, il avait lancé cette célèbre phrase en disant « je ne suis pas là pour avoir une loi qui porte mon nom ».
Entre nous, soit dit, ça avait fait sourire pas mal d'observateurs, sachant que les grandes réformes de l'éducation nationale ne sont pas passées par une loi, mais par des décrets. Et on voit qu'aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer, qui est vraiment un technicien de l'éducation nationale, hein, c'est vraiment un professionnel, commence à réformer l'éducation nationale par décret. Mmh. Et il ne fait pas ça tonitruante. Oui, hein, c'est une révolution de velours. Oui, moi, je parle d'une révolution de velours dans la mesure où il est très habile dans la manière. C'est-à-dire qu'il lance un petit peu des ballons d'essai et il fait pas une grande conférence de presse pour annoncer ses chamboulements. Non, pas du tout. Mmh. Il distille à droite et à gauche, comme sur le bac. Et là, hier, dans les colonnes du Parisien, il a quand même dit qu'il allait revenir sur le redoublement, sur la semaine des 4 jours, sur même la grande réforme du collège qui était... une grande réforme de l'ancien quinquennat. Zoé Cadio, Midi Libre, l'Indépendant, on a Jean-Michel Helvig sur ce plateau aussi de la République des Pyrénées et on a Luc L'Aventure d'Outre-mer 360, comme souvent le vendredi, une télévision et un site internet Outre-mer. Merci d'être là. Jean-Michel Helvig, sur l'éducation, c'est toujours sensible hein, le sujet éducation hein, pour un gouvernement qui s'installe. Et on dit toujours qu'un nouveau ministre de l'Éducation veut toujours faire une nouvelle réforme ou de nouveaux aménagements pour exister en arrivant. Oui, alors lui, effectivement, comme c'était dit précédemment par Zoé, il est arrivé en disant « je ne vais pas faire la grande loi », mais à force d'accumuler des intentions, hein, des intentions de décret, ça finit par y ressembler. Mais pour autant, encore une fois, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Les législatives ne sont pas passées, le gouvernement n'est pas encore vraiment à la tâche, enfin de... Donc c'est des intentions. Alors c'est vrai qu'il y a une volonté de pragmatisme qui n'est pas critiquable, parce que c'est vrai que les grandes lois comme ça qui supposaient être le grand soir d'éducation, tout le monde en a un peu soupé. Mais en même temps, ce qui serait utile chez lui, c'est qu'il soit beaucoup plus clair sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Alors, plutôt que de dire voilà, ça marche pas, on va tout changer. Exemple dans la République des Pyrénées ce matin où au fond l'école fonctionne mieux en ayant moins de redoublements en Europe. Il y a en Europe beaucoup en Europe du Nord de sujets de... Oui mais ça c'est le redoublement, c'est un vrai faux sujet. C'est-à-dire que c'est devenu un principe. Alors il y a un certain nombre de gens, notamment à gauche, qui disaient le redoublement c'est une stigmatisation sociale. Soit, enfin... Peut-être, mais en même temps, pour certains élèves, c'était non seulement nécessaire, mais utile. Et quand on fait la comparative avec les pays d'Europe du Nord, il ne faut pas oublier qu'eux ont des dispositifs de soutien aux gens, aux élèves qui auraient pu redoubler, mais qui n'ont pas redoublé, des dispositifs de soutien très, très importants. C'est ce que veut faire Jean-Michel Blanquer. Mais il ne suffit pas de le dire. Non, mais le problème aussi, c'est qu'il y a quand même un contexte budgétaire. Donc, il annonce plein de choses, mais comment ça va financer? Juste par exemple, les stages de remise à niveau pour les enfants qui sont en difficulté, qui vont rentrer en 6e, comment ils pensent les financer? C'est par des heures supplémentaires. Mais il y a quand même une contrainte budgétaire, qu'il le veuille ou non. Et puis, comme dit Jean-Michel aussi, il ne faut pas non plus oublier que la réforme un petit peu des rythmes scolaires et autres, c'est quand même, dans le primaire, c'est, je crois, la 9e réforme en 3 ans. Quoi. Luc L'Aventure. Je voulais insister sur ce que vient de dire Zoé et également Jean-Michel, sur le fait que le ministre est très pragmatique. Il a été recteur en Guyane. Ouais. Et il est allé au contact. Il a laissé un bon souvenir. Excellent souvenir. Pourquoi? Parce que technicien, pragmatique, il va au contact, il a remonté le marronnier en pirogue, il est allé voir comment les élèves se rendaient en classe, il va au contact avec tout le monde, à la fois les usagers, ceux qui vont en classe, les élèves, les enfants, mais également les parents et les professeurs. Alors on attend beaucoup de lui, notamment sur, non pas le rythme scolaire, mais sur... le taux de coefficient de remplissage des écoles, parce qu'effectivement, outre-mer, les écoles sont surchargées, et on se demande comment il va faire pour pouvoir faire en sorte que ça se passe beaucoup mieux. Alors pourquoi je reviens avec vous, Zoé Cadio, sur ce redoublement. Pourquoi ça ne fait pas plaisir à la fois, j'allais dire, aux élèves et aux parents, le redoublement. C'est pour ça que ça fait tant polémique, c'est quoi? La question du redoublement. Alors, il y a une stigmatisation sur la question. Comme le rappelait Jean-Michel, c'est un dossier qui revient régulièrement. Quoi. Est-ce qu'on doit faire redoubler ou pas? En Europe, on sait qu'aujourd'hui, on préfère accompagner les élèves qui sont en difficulté avec des cours supplémentaires pour de remises à niveau. Mais aujourd'hui, c'est plutôt une question politique plus qu'autre chose. Il faut le dire clairement. Merci. Zoé Cadio, votre dossier dans le Midi Libre. Deuxième thème du Club des éditorialistes. Eh bien, comment peut-on perdre quand on était sûr de gagner? C'est une élection législative. Alors, il y a une élection législative en France dans 2 jours, on ne va pas faire
parallèle, évidemment, Jean-Michel Helvig. La République En Marche semble toujours sur le point de l'emporter avec une majorité absolue. Ni l'affaire Ferrand, ni la mise en cause du Modem très récente ne semble poser problème à une victoire annoncée. Oui, s'il y a un parallèle à faire, ce n'est pas avec les législatives d'aujourd'hui, mais c'est avec celle de 97, avec Chirac. C'était une dissolution de complaisance à l'époque. Là, c'était un peu aussi une dissolution de complaisance. Mais sauf que c'est d'ailleurs à fond renversé, parce que Chirac, c'était pour faire rentrer la France dans l'euro. Et là, c'est plutôt... Vous parlez des élections anglaises, évidemment. Anglais, c'était pour sortir de l'Union européenne. Oui, c'est chronique d'une victoire annoncée. Le problème, si vous voulez, c'est que... ce qui peut expliquer ça, en dehors du fait qu'il y a maintenant les législatives sont plutôt une fonction de ratification de la présidentielle, c'est que le REM, enfin les Républiques En Marche, est dans une position exceptionnelle. Parce que s'il se retrouve au deuxième tour, dit en passant, il n'y aura pas beaucoup de triangulaires à cause du taux d'abstention, mais il se retrouve au second tour contre le FN. Et aussi à cause de la règle de 12,5%. La gauche, oui, la gauche votera pour eux. S'il se retrouve face à la droite, c'est la gauche, enfin la gauche aussi votera pour elle. S'il se retrouve face à la gauche, la droite votera pour le candidat REM. Donc d'une certaine façon, il y a, même si ce n'est pas un phénomène général et mécanique, il y a quand même une tendance générale qui montre que mécaniquement, ils auront une majorité, sans doute un très fort taux de succès aux législatives. Luc Laventure. Point d'interrogation pour les Outre-mer, parce qu'effectivement, 300 candidats pour simplement 27 sièges. On se demande ce qui va se passer si on ne va pas renverser la table. Zoé Cadio. Oui, nous, la grande région Occitanie, il y a 49 circonscriptions, oui. Donc c'est vrai que c'est très ouvert. Il faut savoir aussi que, comme en France, partout, il y a plusieurs députés qui ne se représentent pas. Donc la République En Marche va profiter aussi de ce renouvellement automatique naturel. Et puis pour revenir aussi à ce que disait Jean-Michel, c'est qu'il y a aussi la loi des 12,5% qui aujourd'hui, pour pouvoir arriver au deuxième tour, il faut obtenir 12,5%. On disait qu'avec 40% d'abstention, il fallait 20% d'exprimer. Maintenant, si on est à 48% d'abstention, ça fait à 25% à peu près d'exprimer. Si je peux utiliser une formule un peu légère, il faut aller les chercher. Notamment. C'est ce qui s'est passé en Polynésie notamment, où Maïna Sage n'a pas pu passer au premier tour parce qu'il y a eu un taux d'abstention de 32%, 5 points de moins qu'en 2012, effectivement, elle passe au second tour. Tout est encore possible, oui. Tout est encore possible, avec quand même des séquelles, notamment en Polynésie, où Gaston Flosse a perdu deux de ses alliés. Oui. Et puis, deux de ses plus fidèles lieutenants. C'est la fin d'un long règne, hein. C'est la fin. Oui, tout à fait, absolument. Gaston Flosse, ancien secrétaire d'État au Pacifique Sud de Jacques Chirac. C'est un peu la décrépitude, dans la mesure où ses deux alliés, c'est pas des alliés, c'est vraiment ses deux lieutenants, l'un qui était trésorier du parti et l'autre qui était président de l'Assemblée nationale polynésienne. Et puis il faut dire également qu'en Nouvelle-Calédonie, on prépare avec appréhension le scrutin de novembre 2018 sur le statut d'autodétermination. Et puis il faut savoir également que du côté atlantique et du côté de l'océan Indien vont se poser le problème du rôle de la France sur le plan géostratégique dans ces régions. Alors, législative, Royaume-Uni, Jean-Michel Helvig, un petit mot. 314 sièges à la Chambre des communes pour les conservateurs. Alors là, c'est un résultat aussi qui était assez inattendu. Il n'était pas tout à fait inattendu, parce qu'encore une fois, les sondages montraient que bien avant, d'ailleurs, les dernières péripéties, ça se resserrait. C'est assez inattendu, et en même temps, c'est pas... Total, ça montre quelque chose qui a à voir avec la question du Brexit. Alors, il y a des facteurs propres à Theresa May, des annonces qu'elle a pu faire qui ont choqué, des annonces de mesures sociales qui ont choqué. Mais au fond, elle demandait un mandat clair pour dire « je veux négocier un Brexit dur ». Ce qui lui revient de la réponse des électeurs, c'est pas vraiment, mais ça ne veut pas dire non plus, parce que Corbyn, dont on fait grand cas, il est resté d'une ambiguïté totale sur le sujet. James Corbyn. Mais la disparition de l'UKIP, de ceux qui étaient vraiment pour le Brexit, le fait que les libéraux démocrates ont progressé, montre qu'il y a quand même, les Anglais ne sont pas forcément enclins à suivre Theresa May sur le côté tout ou rien. Jean-Michel Helvig, on vous retrouve tout à l'heure. Zoé Cadio, Luc Laventure, d'avoir été
dans ce débrief de l'actualité. On passe à la météo, le temps qu'il fera en France, qu'il fait en France aujourd'hui et aussi en Outre-mer. La météo vous est présentée par Terroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec Terroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans un instant, on reçoit Juliette Méadel, qui est donc l'ancienne secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes et qui est candidate PS aux législatives. On passe aux appelisés, le premier zapping politique des matinales d'info qu'on regarde ensemble. L'information vient s'ajouter aux révélations sur l'affaire Ferrand. Entre 2011 et 2013, les mutuelles de Bretagne ont perçu 55 000 euros du département du Finistère et de la ville de Brest pour installer une plateforme de soins pour personnes âgées dans les locaux de l'ex-épouse du ministre. C'est de la bureautique, c'est des blouses, c'est du matériel informatique, c'est-à-dire ce qu'on met dans un local quand on veut faire tourner un service efficace pour la population. Les législatives, c'est la même que la présidentielle, Fillon au moins. Donc c'est Ferrand qui prend le relais. Le président Macron dirait, selon le Canard enchaîné, « Oh là là, on va avoir beaucoup trop d'élus, plus de 400, ça va être le foutoir ». Les intentions de vote pour les Républicains atteignent 20% contre 30% pour La République En Marche, 18% pour le Front National, 11% pour Mélenchon. Le président de la République ne dirait pas cela, et pour ce qui concerne le foutoir, ça relève du ministre des Relations avec le Parlement, et je tenterai de faire en sorte que ça ne serait pas le cas. Cela voudrait dire que nous aurons une Assemblée nationale qui votera au canon, qui sera une chambre d'enregistrement, et il n'y aura pas d'opposition. Il y a deux mois, on nous expliquait qu'il n'aurait jamais de majorité au Parlement, et maintenant on nous explique qu'il aurait une trop grande majorité. J'ai connu une époque après 2007, où il y avait une majorité très très large pour la droite et le centre. Eh bien, quand vous arrivez dans l'hémicycle à l'Assemblée et que vous défendez un texte, vous ne tenez pas compte de l'avis des autres de la même façon. Vous n'écoutez pas vraiment ce que font les autres en disant « ils sont pas nombreux, ça compte pas beaucoup ». C'est vrai que c'est nulle part facile d'être socialiste aujourd'hui. Les gens ont l'impression, et c'est souvent vrai aussi, que nous les avons oubliés, voire trahis. Si ce quinquennat avait été un succès, François Hollande aurait été candidat à sa propre succession, il le désirait. Il ne l'a pas été. Et Manuel Valls aurait remporté la primaire. Il a échoué lourdement. C'était le signal qu'il fallait changer. Ça ne va pas durer la mode, la macromania, comme vous dites. Et les gens vont... Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Pourquoi vous dites que ça ne va pas durer? Mais parce que je discute sur le terrain et que je ne sens aucun élan pour Emmanuel qu'est-ce Macron. Qu'on vous dit comment passer à côté d'un candidat écolo qui s'appellerait Jean-Marc Fleury? L'écologie, qui évidemment n'a pas beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'on a Myriam Santune. Et j'en termine avec un politique qui s'appelle Baratin et qui donc presse la corde avec laquelle il sera pendu. Je me retrouve menacé, je me retrouve moqué dans ma propre famille politique et je la quitte comme on quitte une famille qui n'accepte pas la différence. Je termine avec deux cas évidemment particuliers. Une candidate lutte ouvrière qui est professeure des écoles, elle a l'air absolument charmante. Sinon, évidemment, ça fera penser, ça fera sonner les oreilles de tous les parents dans la salle. Elle s'appelle Anne Trotro. Anne Trotro, l'ami qu'il vous faut. Non, pas cette chanson. Est-ce que vous êtes le premier à acter le fait que ça ne peut pas fonctionner? Mais je peux vous assurer que je ne serai pas le dernier. Il n'y a plus que trois partis d'opposition en France. La France insoumise avec ses défauts et ses qualités, le Front national avec ses qualités et ses défauts, et Debout la France qui n'a que des qualités. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio.
Voilà, l'invité politique de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale ce matin, c'est Juliette Méadel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes candidate Parti Socialiste dans la 10e circonscription de Seine-et-Marne et vous êtes l'ancienne secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour Christophe. Bonjour. Et Michael Zames de Public Sénat. Bonjour Michael. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Législative au Royaume-Uni, Juliette Méadel, les conservateurs perdent leur majorité absolue selon toutes les projections. Ils obtiendraient 314 sièges à la Chambre des communes. Alors, la remontée des travaillistes, ça change quoi pour le Brexit, selon vous, qui est notre préoccupation nationale ? Eh bien, pour la France, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. D'abord parce que ça veut dire que les Anglais sont divisés. Ça veut dire que Theresa May ne dispose plus du soutien du peuple britannique pour conduire ce Brexit. Elle n'était déjà pas très claire sur son positionnement à ce sujet-là, mais maintenant, elle n'a plus les coudées franches. Ce qui donc, pour les Français, n'est pas mauvais, parce que je ne vois pas, moi, une situation où l'Angleterre sortirait renforcée de ce Brexit. Et si l'Angleterre sort affaiblie du Brexit, eh bien la France a quelque chose à en tirer. Nous avons, nous, l'occasion ainsi d'attirer, par exemple, la place financière. Si ça se passe un peu plus à Paris et à Francfort, c'est toujours mieux pour l'activité économique. Deuxièmement, sur le plan politique maintenant, je trouve que c'est bien aussi que l'opinion publique voit ce qu'il peut en coûter à un pays de sortir de l'Europe. Car pour moi, être dans l'Europe est une chance. Sortir de l'Europe, ça coûte cher, sur le plan économique, sur le plan politique. Et on voit donc une Angleterre aujourd'hui qui est affaiblie et par le Brexit et par les décisions politiques qui ont été prises jusqu'à présent par Theresa May. Donc pas question et on voit de leur bien faire que ça n'a pas servi la Grande-Bretagne. Pas question de leur faire des cadeaux maintenant. Certainement pas. Pourquoi voulez-vous que nous fassions des cadeaux ? L'Angleterre décide de quitter l'Europe. Elle a décidé de se mettre ainsi au banc d'une construction européenne qui a plus de 50 ans, qui nous a permis de construire la paix, qui nous a permis aussi de construire un système d'échange qui a produit de la croissance, qui nous a aidés au fond. L'Angleterre sort, qu'elle en assume toutes les conséquences. Nous nous retrouvons donc avec l'Allemagne, encore plus en position de leadership en Europe, et c'est tant mieux. Et vous y voyez là aussi une référence à la France pour un message politique vis-à-vis des partis tels le Front National ou Jean-Luc Mélenchon, ceux qui veulent abandonner l'Europe ? Oui, on voit bien que ceux qui, comme Theresa May, ont tenté d'instrumentaliser l'Europe à des pures fins de politique interne, car c'était bien son cas, on voit bien ce qui leur en coûte, et on ressent ainsi que la politique de cette manière-là, ça ne s'improvise pas. Elle est arrivée là à la faveur de ce référendum et on voit bien qu'elle est rattrapée par la réalité. Juliette Méadel, parlons des législatives en France ces dimanches. Selon un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, le Parti Socialiste ce matin serait à 8% au premier tour de ces législatives contre 30% pour La République En Marche. Vous craignez que La République En Marche ait cette fois tué pour de bon le Parti Socialiste ? Le Parti Socialiste s'est tué lui-même. Il n'a pas besoin d'autres partis pour le tuer. C'est tué lui-même, c'est ce que vous voulez dire. Sauf que, je vais aller jusqu'au bout, oui. Sauf que c'est le parti en tant que structure qui est affaibli. C'est le parti en tant qu'appareil qui est affaibli. Mais nos idées, moi je vois bien sur le terrain qu'elles sont toujours plébiscitées au sens où, moi on me dit en Seine-et-Marne, dans la circonscription où je fais campagne, plus on me dit... Plus plébiscité que les idées d'En Marche. Mais on me dit, oui, nous voulons plus de fraternité. On me dit, oui, nous voulons plus de services publics. On me dit, oui, nous voulons de la solidarité. Pour nos enfants, nous avons besoin de moyens pour l'école, pour les transports, parce que c'est difficile. Je peux vous dire, à Noisiel, à Chelles et à Logne, à Brou, à Emerinville... Dans votre circonscription. Dans ma circonscription, vous vous rendez compte quand même que vous avez le matin... Pour prendre votre RER ou votre train aux heures de pointe, vous en avez un tous les quarts d'heure. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça signifie. Et donc avec le Parti Socialiste, ça changera. Moi, je dis quoi ? Je dis que c'est le service public dont on a besoin. Donc on a besoin de moyens publics, on a besoin que l'État... Et sur toutes ces questions, La République En Marche ne sera pas capable de régler tous ces problèmes. Eh bien, moi je dis que nous, au Parti Socialiste, en tout cas moi c'est ce que j'ai construit dans ma campagne, je veux plus de services publics. Je n'ai pas entendu... Donc La République En Marche n'y arrivera pas, ne réglera pas ces problèmes. C'est pas ça, c'est que ça n'est pas leur objectif premier. Comment vous voulez qu'on réussisse dans des politiques quand on ne dit pas que l'objectif c'est le service public ? Faudrait qu'ils disent clairement...
Oui, notre objectif, c'est le service public. Voilà. Et ils ne le disent pas. Et nous, nous le disons. Mais pourquoi ? C'est normal qu'ils ne le disent pas. Vous avez dit pourquoi c'est normal ? Mais parce que ça n'a jamais été l'orientation politique de La République En Marche que de dire nous misons sur l'État, nous misons sur le service public. C'est normal. Nous, à gauche, c'est notre ADN. Moi, je crois que le service public, il est là. Le service public est là pour pallier les inégalités naturelles. Voilà. Par contre, ce que vous n'avez pas développé, c'est ce que vous venez de dire, le Parti Socialiste s'est tué lui-même. Je voudrais savoir exactement ce que vous voulez dire par cela. Bah écoutez, c'est l'histoire de ces 5 dernières années où nous avons été, je le sais, j'ai été porte-parole du PS, moi. On était quelques-uns, mais on n'était pas nombreux à dire que nous soutenions le gouvernement tout en faisant jouer un esprit critique constructif. Au lieu de ça, pendant 5 ans, on a assisté en permanence à un pilonnage de l'action du gouvernement. Alors, évidemment... Tout n'a pas été parfait. Bien sûr que si on faisait le bilan de ces 5 ans, il y a des choses qui n'iraient pas. Et on peut faire la liste, et la déchéance de nationalité. Mais sauf que tout ça, ça ne justifiait pas de clouer au pilori toutes les actions qui ont été menées. Donc le Parti Socialiste, en fait, s'est affaibli lui-même, puisqu'il a lui-même divisé sa propre famille politique. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons eu, hélas, avec le résultat au présidentiel, une situation où nous n'avons jamais été aussi bas. Mais ce qui ne veut pas dire... que sur le terrain, les idées de gauche, enfin, de solidarité, les de fraternité ne les sont plus souhaitées c'est quand par même les électeurs. 350 à 450 députés d'En Marche. Est-ce qu'il y a un risque de parti unique avec toutes les conséquences que ça pourrait avoir derrière ? Il y a un risque pour la démocratie au sens où un parti hégémonique à l'Assemblée nationale ne favorise pas le débat démocratique. La France a besoin qu'il y ait un débat entre le gouvernement d'un côté et le Parlement de l'autre. Parce que c'est comme ça qu'on construit les meilleures réformes. Or, si au Parlement, il n'y a pas de débat parce que tout le monde est d'accord, alors comment ça va se passer ? On ne sortira pas par le haut. Donc, il faut, pour la démocratie. Donc il y a un risque d'une majorité hégémonique parce que la démocratie a besoin de respirer. Notre démocratie ne respire pas assez. Alors, ce n'est pas en donnant une majorité écrasante et hégémonique à un parti... qu'on réussira à faire revivre et respirer la démocratie. Mais le gouvernement a besoin d'ailleurs. Le gouvernement a besoin qu'il y ait des députés qui soient capables de dire bah, « Tiens, sur tel projet de loi, nous pensons que, par exemple, sur le contrôle des chômeurs, et c'est ma conviction, nous pensons que ça n'est pas une bonne réforme parce qu'il existe déjà un contrôle des chômeurs, parce qu'il y a d'autres pays où on a essayé de le mettre en place et ça n'a pas marché, et parce qu'il y a des améliorations à apporter. » Juliette Méadel, hein, est notre invitée ce matin, ancienne secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes. Vous êtes candidate aussi aux législatives. Aujourd'hui, c'est les échanges qui démarrent entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur la loi travail. Donc, en étant candidate, sur le terrain, est-ce que c'est un sujet ? Est-ce qu'on vous en parle ? On parle de ce sujet... On parle d'abord des questions déontologiques, on y reviendra, hélas. On me parle de ce sujet-là parce qu'il y a une grande inquiétude, précisément, sur, c'est pour ça que je vous en ai parlé, sur le contrôle des chômeurs. Je m'explique. Sur ce point spécifique. Oui, je m'explique. Qu'on contrôle ceux qui fraudent les institutions et ceux qui touchent le chômage alors qu'ils n'en ont pas besoin, ça, c'est normal. C'est plus que normal. Qu'on dise maintenant, et c'est hélas dans l'une des propositions du gouvernement, qu'on dise maintenant, à partir du moment où vous êtes au chômage, si on vous fait 2 offres d'emploi raisonnables et que vous refusez ces 2 offres d'emploi, on va vous baisser votre indemnité chômage de 25%, ça inquiète. Ça ne pourquoi passe pas. Mais non, pourquoi ça inquiète ? Parce qu'on se dit, mais qui va contrôler que les offres qui nous ont été faites sont raisonnables ? Je vous donne un cas que je rencontre fréquemment. Des femmes qui ont 3-4 enfants, qui cherchent un emploi. À qui on propose, qui ont des salaires SMIC ou un peu en dessous, à qui on propose un emploi de 8h du matin à 18h, qui donc doivent avoir une nounou pour aller chercher les enfants à l'école. Elles me disent, mais moi, si je prends une nounou, ça me coûte autant que ce que je gagne. Donc je suis obligée de refuser. Et si je refuse 2 fois de suite, je perds 25% de mes indemnités. Quand il s'agit de femmes seules, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire pour la vie quotidienne, pour les enfants. Est-ce que vous demandez aujourd'hui au gouvernement de revoir sa copie sur cette question-là ? J'aimerais bien, et si je suis élue, c'est ce que je ferais, que nous construisions. Et par exemple, sur ce sujet-là, la première chose à faire serait de dire on renforce les moyens pour accompagner les femmes qui, dans cette situation, cherchent un emploi. Et par exemple, on leur propose des formations professionnelles dont elles sont demandeuses, qui les aident à trouver un emploi, qui leur permettent de cumuler leur vie de mère de famille et leur insertion dans la vie active. C'est ce que j'appelle construire. Un aspect pratique, voyez, des choses. Mais oui, mais du coup, si vous avez à l'Assemblée que des gens qui disent amen aux propositions, mais même
pour le gouvernement, c'est mauvais, parce qu'on est meilleur dans la confrontation, dans la construction positive. C'est ça, être dans une perspective constructive et vigilante. Constructive. C'est comme ça que je fais campagne. Constructive. Mais bien entendu. Donc, éventuellement, vous pourriez, je vous pose action, voter la confiance à un Premier ministre de droite, Edouard Philippe. Mais tout dépendra du projet. Tout dépendra du projet. Tout est sur la table aujourd'hui. Mais pas du tout. Les choses sont en construction. Et moi, je dis que si, par exemple, sur la question du travail, il y a des améliorations nettes, par exemple sur le contrôle des chômeurs, et donc s'il y a des amodiations positives par rapport au programme... Mais tout est ouvert. Mais vous savez, moi, je ne vois pas la vie politique en mode on est toujours dans le négatif, dans la confrontation. Non, on construit. Donc moi, je vous dis, il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Par exemple, le contrôle des chômeurs, c'est une ligne rouge. L'état d'urgence, ça fait partie des lignes rouges? Moi, je suis favorable au maintien de l'état d'urgence. Je l'ai déjà dit. Je l'étais quand j'étais secrétaire d'État à l'aide aux victimes. Dans le droit commun aujourd'hui, eh ben, il y a des dispositifs utiles, mais on... Non, mais là, il s'agit de mettre les dispositions de l'état d'urgence dans le droit commun. Mais c'est ça le projet du gouvernement, et le Parti socialiste s'y oppose d'ailleurs. Nous allons voir exactement quelle est la teneur de ce projet. Moi, je serais heureuse d'avoir y compris l'avis du Conseil d'État sur ce sujet-là. Mais vous, bon, votre avis? Sur le plan politique, mon avis, c'est qu'aujourd'hui, regardez, il y a encore eu un attentat à Londres. Donc, on ne peut pas d'envoyer un message politique d'affaiblissement de notre système et de protection et de renseignement. Et puis, il faut aussi donner la possibilité aux enquêteurs d'enquêter souplement. Donc, on respecte les libertés publiques. Nous avons le Conseil d'État, nous avons le Conseil constitutionnel qui en sont les garants. À partir du moment où ils estiment, et nous verrons bien, que ce projet respecte nos principes fondamentaux, pourquoi ne pas en discuter? Dites-moi, il n'y a pas de secrétaire d'État aux victimes? Est-ce que ça vous pose un problème aujourd'hui? Bon, je l'ai déjà répondu à cette question, je ne vais pas en faire des louches. Évidemment, je me suis occupée des victimes pendant 15 mois. Je suis convaincue qu'il faut en effet un ministre dédié et qui doit être attaché au Premier ministre. Bon, écoutez, ça n'a pas été la décision. Eh bien oui, donc évidemment que je le regrette, mais je ne vais pas en rajouter. Aujourd'hui, il y a un service que vous avez créé quand même. Exactement, parce que j'avais anticipé quand j'étais ministre qu'il pouvait y avoir, en effet... qu'on supprime le ministre des victimes. Et donc, j'avais créé un service public dédié. Il existe. Je me réjouis qu'il existe encore. J'espère qu'il aura tous les moyens de fonctionner. Il reste 2 minutes. Parce qu'il faut s'occuper des victimes et parce qu'elles ont besoin que l'État les accompagne. Il y a quand même une autre question, c'est la question des affaires. Il y a le MoDem aujourd'hui qui est dans la tourmente, rattrapé à nouveau une fois par les révélations autour des attachés parlementaires européens qui ont travaillé pour les partis. Tout cela, ça vous inspire quoi? C'est fâcheux. À chaque fois qu'il y a une affaire de ce style-là, c'est fâcheux parce que tout le monde me dit sur le terrain « Oh, de toute façon, ils sont tous pareils ». Mais non, ils ne sont pas tous pareils. Et non, l'écrasante majorité des hommes et des femmes politiques ne sont pas malhonnêtes, non. Alors nous allons voir dans ce cas ce que ça signifie. Moi, j'en retiens quand même que sur l'Europe, c'est un peu problématique. Parce que ça veut dire que quand vous êtes député européen, vous acceptez... de vous faire déposséder de vos collaborateurs pour qu'ils fassent autre chose. C'est ennuyeux quand même. François Bayrou doit s'expliquer. Mais on verra bien, d'abord, si c'est fondé juridiquement. Mais juste sur le message que ça envoie, moi, je c'est de la vieille politique. Moi, je pense qu'on doit être totalement dédié à sa tâche. Hein? Et si vous avez des moyens... C'est de la vieille politique. Si vous avez des moyens pour fonctionner, c'est pas pour faire autre chose. Oui, si c'est confirmé, en effet, ça serait des méthodes de vieille politique. Mais attendons de voir si c'est confirmé. Parce qu'attention aussi à un autre problème. C'est que toutes ces affaires qui fleurissent. On ne sait pas très bien si c'est fondé. On ne sait pas très bien si c'est vrai. Et vous savez comme moi que si c'est faux, les dégâts dans l'opinion publique sont considérables. Parce que les électeurs ne se disent pas « Ah, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ?» Ils se disent « Il n'y a pas de fumée sans feu. » Mais c'est dramatique, ça. Parce que tout ce pourquoi je me bats en permanence, qui est de dire « Vous pouvez faire confiance dans les responsables politiques, nous sommes là pour vous aider. » Mais tout ça, c'est battu en brèche. Merci Juliette Méadel. Merci. Vous êtes candidate PS dans la 10e circonscription de Seine-et-Marne. On va découvrir avec ce panneau quels sont les autres candidats de cette circonscription. Merci infiniment. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci.
Voilà, Juliette Méadel quitte ce plateau et j'accueille pour débriefer l'actualité et les propos de Juliette Méadel, Zoé Cadio du Midi Libre et de l'Indépendant qui revient dans cette deuxième partie de la matinale d'info. Bonjour Zoé, merci d'être avec nous. Et j'accueille André Crétenant qui est le directeur de l'information de TV5 Monde, notre partenaire qui diffuse cette émission sur les 9 antennes de TV5 Monde à travers le monde. Bonjour André, bonjour. Merci d'être avec nous. On démarre tout de suite avec les élections législatives au Royaume-Uni. Les conservateurs donc perdent leur majorité absolue selon toutes les projections. Ils obtiendraient 314 sièges à la Chambre des communes. Les travaillistes remontent. Et Juliette Méadel nous a dit il y a un instant, André Crétenant, que c'est une bonne nouvelle pour la France qui se retrouve en position de leadership avec l'Allemagne en Europe. Oui, c'est un point de vue. C'est-à-dire, c'est peut-être dans un premier temps une bonne nouvelle pour la France. Il y a peut-être aussi certains avantages économiques à retirer de cette situation. Si une partie des activités de la City devait venir à Paris, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, j'en suis pas si certain. D'abord parce que, en ce qui concerne les relations économiques, elles sont très étroites, d'une part entre l'Europe et Londres, et entre la France et Londres. Et donc, on ne sait pas exactement. Exactement, quels seront les effets? Je pense qu'il peut y avoir des effets négatifs des deux côtés. Et la deuxième chose... Je pense que ça affaiblit plutôt l'Europe. Alors évidemment, on peut se dire que l'axe franco-allemand va se renforcer, mais ce n'est pas certain. Moi, je crois en une Europe forte si l'ensemble des pays, en particulier de ces pays, le Royaume-Uni est un pays important dans cette Europe, voilà, qui a l'air d'être un petit peu en déperdition. Donc de ce point de vue-là, je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle. Zoé Cadio. Moi, je serais peut-être un peu plus minorée sur les propos d'André. C'est-à-dire que, certes, je ne vais pas déclarer l'adège, le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme vient de faire Juliette Méadel. Mais le résultat de ces élections confirme. Moi, je dis que c'est une bonne. Enfin, les revers électoraux de Mme May sont une bonne nouvelle dans la mesure où ça confirme aussi que, contrairement à ce qu'on a beaucoup entendu, les Britanniques aiment l'Europe d'une certaine manière et ils ne sont pas pour un Brexit pur et dur, qu'on le veuille ou non. Vous pensez que c'est les causes de cette inversion de tendance? Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui ont joué à ça. On ne peut pas minorer l'impact des attentats, surtout que la Première ministre avait dit qu'avec un Brexit dur, on pouvait contrôler l'entrée des frontières. Surtout qu'elle avait été, rappelons-le, ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur. Et c'est justement pour ça aussi qu'elle a été sanctionnée, parce que l'opposition a rappelé qu'elle avait été à l'origine de coupes sombres vis-à-vis des policiers qui ont d'une certaine amoindri leur travail, comme on a eu le même débat en France. De toute façon, ce sont des questions rhétoriques qui reviennent tout le temps. Donc, dire aussi que le fait que la France a une carte à jouer au niveau des marchés financiers, il ne faut pas non plus minimiser le rôle de Francfort, qu'on le veuille ou non, ou d'autres places financières qui, elles aussi, veulent récupérer un petit peu, veulent rejouer un peu la carte des boires londoniens. J'ai d'ailleurs pas parlé de Genève et de Zurich en ce qui concerne les places financières. Non, ce qui est intéressant à noter... Je rappelle aux téléspectateurs qui nous regardent que vous êtes suisse. Ce qu'il faut noter, c'est que Jeremy Corbyn était déjà en train de remonter avant les attentats. Et je pense que c'est intéressant. On pensait effectivement qu'il était hors jeu, qu'il n'avait plus nécessairement une grande influence et qu'il allait être battu à plate couture. Il y a le Brexit, il y a les attentats qui ont joué un rôle. Je pense qu'il y a aussi une certaine difficulté à vivre en Angleterre, parce qu'on est toujours focalisé sur les grandes villes, Londres en particulier. Or, dès qu'on sort des grands centres urbains, il y a pas mal de pauvreté. C'est vrai que le taux de chômage n'est pas très élevé, mais il cache aussi le fait qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont peu rémunérés. Et aussi dans la politique budgétaire, c'est qu'il y a aussi beaucoup de restrictions budgétaires et que... Tous les services sociaux ont été amoindris. Et il y avait un très bon papier hier dans Le Monde qui révélait que justement beaucoup de Britanniques qui profitaient des aides sociales sont aujourd'hui complètement largués d'une certaine manière et livrés à eux-mêmes. Deuxième thème de l'interview ce matin de Juliette Méadel, qui était notre invitée il y a quelques minutes, la loi travail, le contrôle des chômeurs qui fait peur, selon elle, à beaucoup de gens, notamment des mères de famille, avec des enfants qui sont obligés de se payer une nounou pour les garder, et à qui on peut proposer quelque chose, elles refusent deux fois et elles perdent une grande partie de ces indemnités. Je trouve que l'exemple est un peu caricatural, qu'on le veuille ou non. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit tout à fait. De brandir cette carte des mères de famille qui ne peuvent pas accepter un emploi parce que ça leur coûte trop cher au niveau de garde d'enfants. Il est vrai aussi que les femmes seules ont des problèmes et que c'est souvent elles ont souvent des emplois déclassés et qui sont mal payés. Ça, c'est une réalité. Mais je pense que ça aurait été peut-être plus fun d'attaquer réellement sur la loi travail qui fait débat aujourd'hui en France. Surtout que d'après l'opposition, le gouvernement Macron n'est pas tout à fait clair sur ses véritables intentions
opposition, même s'il s'en défend. Et là, on a vu d'ailleurs une prise un petit peu plus mordante, que ce soit au niveau des Républicains, que du Parti Socialiste, au fond, au moins de ce qu'il en reste, sur ce dossier-là. André Quatennens. Oui, bon, c'est la campagne. Et peut-être même que c'est la troisième campagne, comme certains le disent, c'est-à-dire... Le troisième voilà, tour. Troisième tour, plutôt. Troisième c'est-à-dire, tour. Voilà, la bagarre autour de la loi sur le travail. Je ne suis pas sûr que ce discours porte, comme le discours d'ailleurs, sur le fait qu'il doit y avoir plus de services publics. Je ne crois pas. Le service public en France représente déjà une grosse part du PIB. C'est plutôt mieux de services publics que plus de services publics. Mais je pense que ce discours-là n'est pas audible en ce moment. Voilà, l'opinion est beaucoup plus concentrée sur cette question de la moralisation de la vie publique, sur la question du renouvellement des politiques, sur la question de la manière de faire de la politique, sur la question de la gauche-droite, etc. On n'est plus sur ces thèmes-là que sur cette question-là du service public. Oui, mais on voit que cette question, justement, sur la question de la moralisation de la vie publique, elle s'est un peu assombrie avec l'affaire Ferrand. Pas simplement avec l'affaire Ferrand, on a vu aussi que d'autres candidats des législatives étaient un petit peu pointés du doigt pour leur façon de faire, problèmes... à tort ou à raison, comme on le voit d'ailleurs avec Romain Gros dans la circonscription des Pyrénées-Orientales, où on l'accuse de pire chose, alors que même, pour vous dire, les syndicats sont montés au créneau pour dire « Attendez, là, on est vraiment dans la campagne électorale avec des boules puantes. Oui. » Donc il faut faire très attention. Enfin, je pense. Hein. Mm-hmm. Et puis, pour dire plus ou moins de services publics, en région, c'est pas plus ou moins avoir de services publics, c'est surtout avoir des services publics. La qualité, elle vient après. Parce qu'il y a eu beaucoup de fermetures de services publics dans les régions. Et on parle réellement de désert. Un petit mot, André Quatennens, sur la mise en cause du MoDem, hein, qui aurait utilisé des assistants parlementaires européens à d'autres fins, semble-t-il. Est-ce que cette nature a freiné cette dynamique en marche, hein, qu'on ressent? Moi, je ne crois pas. Et les sondages. Je ne crois pas. Effectivement, il y a une sorte de lame de fond. Il y a un phénomène là qui est en train de se passer. Ce n'est pas là-dessus que ça se joue. Évidemment que ça tombe mal, ça met en difficulté le gouvernement. Le garde des Sceaux tout de même. Hein. Le garde des Sceaux, bien sûr. Mais si vous regardez les résultats des circonscriptions des Français à l'étranger, vous voyez ce qui se passe. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de personnalités qui ne sont pas en tête et qui sont parfois même en mauvaise posture en ce qui concerne le deuxième tour. Des personnalités comme Frédéric Lefebvre, j'ai noté quelques noms, Sergio Coronado dans la deuxième, Axel Le Maire, ancienne ministre, Alain Marceau, Thierry Mariani, etc. Et donc, qui sont quand même des personnalités que l'on a beaucoup vues, qui se sont impliquées dans leur travail de députés et qui aujourd'hui sont en mauvaise posture. Donc ça donne plutôt une indication, à mon avis, sur ce qui va se passer au premier tour, là, dimanche. Alors, on parle beaucoup d'une lame de fond de La République En Marche, mais il faudrait quand même un petit peu poser les choses et rappeler aussi que cette lame de fond, aussi, elle est portée par un fort absentéisme. Et c'est surtout ça qu'il va falloir observer. Parce que, à tel point que, justement, pour le vote des étrangers, il y a certains candidats qui ont eu plus de 53% des voix au premier tour. Et qu'on est quand même obligé d'organiser un second tour parce qu'on n'a pas le minimum de participants à l'élection. Merci. Cela dit, on ne peut pas nier le dynamisme qui était et que les affaires qui émergent en ce moment, je pense, ont peu d'impact. Zoé Cadio, Midi Libre, indépendant sur ce plateau. Et merci André Quatennens, le directeur de l'information de TV5 Monde. On passe aux Appelisés, le premier zapping politique des matinales d'info qu'on regarde ensemble. L'information vient s'ajouter aux révélations sur l'affaire Ferrand. Entre 2011 et 2013, les mutuelles de Bretagne ont perçu 55 000 euros du département du Finistère et de la ville de Brest pour installer une plateforme de soins pour personnes âgées dans les locaux de l'ex-épouse du ministre. C'est de la bureautique, c'est des blouses, c'est du matériel informatique, c'est-à-dire ce qu'on met dans un local quand on veut faire tourner un service efficace pour la population. Les législatives, c'est la même que la présidentielle, Fillon en moins. Donc c'est Ferrand qui prend le relais. Le président Macron dirait, selon le Canard enchaîné, « Oh là là, on va avoir beaucoup trop d'élus, plus de 400, ça va être le foutoir ». Les intentions de vote pour les Républicains atteignent 20% contre 30% pour La République En Marche, 18% pour le Front National, 11% pour Mélenchon. Le président de la République ne dirait pas cela, et pour ce qui concerne le foutoir, ça relève du ministre des Relations avec le Parlement, et je tenterai de faire en sorte que ça ne serait pas le cas. Cela voudrait dire que nous aurons une Assemblée nationale qui votera au canon, qui sera une chambre d'enregistrement, et il n'y aura pas d'opposition. Il y a deux mois, on nous expliquait qu'il n'aurait jamais de majorité au Parlement, maintenant on nous explique qu'il aurait une trop grande majorité. J'ai connu une époque après 2007, où il y avait une majorité très très large pour la droite et le centre. Eh bien, quand vous arrivez dans l'hémicycle à l'Assemblée et que vous défendez un texte, vous ne tenez pas compte de l'avis des autres de la même façon.
vous n'écoutez pas vraiment ce que font les autres en disant « ils sont pas nombreux, ça compte pas beaucoup ». C'est vrai que c'est nulle part facile d'être socialiste aujourd'hui. Les gens ont l'impression, et c'est souvent vrai aussi, que nous les avons oubliés, voire trahis. Si ce quinquennat avait été un succès, François Hollande aurait été candidat à sa propre succession, il le désirait, il ne l'a pas été. Et Manuel Valls aurait remporté la primaire. Il a échoué lourdement. C'était le signal qu'il fallait changer. Ça ne va pas durer, la mode, la macromania, comme vous dites. Et les gens vont... Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Pourquoi vous dites que ça ne va pas durer? Parce que je discute sur le terrain et que je ne sens aucun élan pour Emmanuel qu'est-ce Macron. Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment passer à côté d'un candidat écolo qui s'appellerait Jean-Marc Fleury? L'écologie, qui évidemment n'a pas beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'on a Myriam Santune. Et j'en termine avec un politique qui s'appelle Baratin et qui donc tresse la corde avec laquelle il sera pendu. Je me retrouve menacé, je me retrouve moqué dans ma propre famille politique et je la quitte comme on quitte une famille qui n'accepte pas la différence. Je termine avec deux cas évidemment particuliers. Une candidate lutte ouvrière qui est professeure des écoles. Elle a l'air absolument charmante. Sinon, évidemment, ça fera penser, ça fera sonner les oreilles de tous les parents dans la salle. Elle s'appelle Anne Trotreau. Anne Trotreau, l'ami qu'il vous faut. Pas cette chance. Est-ce que vous êtes le premier à acter le fait que ça ne peut pas fonctionner? Mais je peux vous assurer que je ne serai pas le dernier. Il n'y a plus que trois partis d'opposition en France. La France insoumise avec ses défauts et ses qualités, le Front national avec ses qualités et ses défauts, et Debout la France qui n'a que des qualités. Voilà, fin de Territoire d'Info. Demain matin, je vous retrouve à 7h30 pour les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Et on se retrouve lundi matin pour, évidemment, une nouvelle matinale d'info spéciale, d'ailleurs, résultat des élections législatives. Merci à tous et bon week-end. Et votez bien.